c'est la fin de la 66e édition du Festival de Cannes. Pendant plus d'une semaine, la Croisette a vécu au rythme des projections, des défilés de stars et des fêtes. D'avis de festivalier, le cru 2013 est excellent, comme le souligne cette journaliste hongroise. Il y avait des grands metteurs en scène dans la sélection cette année, dans grandes mises en scène. Et ces mises en scène qui ont apporté des thématiques très intéressantes, donc notamment l'homosexualité. Cette édition a répondu à toutes les attentes qu'on puisse avoir à Cannes. C'était un festival audacieux, nous avons découvert de nouveaux noms et comme presque à chaque fois, le sexe et la violence ont caractérisé la sélection officielle. Comme caractérise surtout la sélection officielle de ce festival. Les stars ont également fait le déplacement. Une seule manquait à l'appel en début de semaine, le soleil. Ça a été très bien malgré la pluie. On a été détrempés les premiers jours. Ça a été une année exceptionnelle avec une montée des marches tous les soirs exceptionnelle au niveau du jury, au niveau des stars et des moments d'émotion formidables quoi, à chaque fois. Du positif donc. Un peu moins du côté des professionnels du tourisme qui tirent un bilan mitigé, à l'instar de la météo.